Bonjour à tous. Le résumé des réseaux informatiques. Pour l'objectif général, définir les concepts d'installation d'administration des réseaux informatiques. Pour la séquence numéro 2, alors les fondements d'administration d'un réseau informatique. Alors, Léo, match nouveau. Comment gérer des systèmes de fichiers, les partitions, la tolérance d'emprunt. Donc, un système de fichiers, ou un règles qui permet d'organiser les données dans un disque dur, dans un support physique. Alors, les supports physiques, on trouve plusieurs types. Le plus utilisé pour les systèmes de fichiers, c'est le disque dur. Alors, on peut dire aussi qu'un système de fichiers, il est défini également de la manière dont les données sont écrites physiquement sur les supports. On trouve des secteurs et des pistes, et à l'intérieur, on trouve des petits blocs. Alors là, on parle bien sûr de cluster. Donc, pour la notion d'allocation, ou bien unité d'allocation, dans chaque unité d'allocation, il y a la plus petite partie physique constituant un support de stockage appelé secteur. Après de là, c'est 512 octets pour la plupart des disques durs. En anglais, on appelle ces clusters. Donc, on peut même mesurer les unités d'allocation par le kilo-octet. Exemple, 4096 octets représentent 4 kilo-octets. Alors, si on fait des calculs, par exemple, si je possède un fichier de 12 kilo-octets, forcément, les 2 kilo-octets qui resteront le dernier bloc seront donc perdus. C'est pourquoi, alors, à chaque fois qu'on mesure, par exemple, si je prends 1 kilo-octet, c'est l'équivalent de 1024. On parle bien sûr de bits de parité. Les types de systèmes de fichiers, on trouve le FAT32, c'est l'allocation table, la table d'allocation pour les fichiers. Il est compatible avec le Windows, Macintosh, Linux. Donc, le point maximum, c'est 4 gigaoctets. Alors, il ne peut pas atteindre, bien sûr, les 2 tera, ou bien il ne peut pas dépasser les 2 tera octets. NTFS, New Technology File System, ou bien Nouvelle Technology System, compatible avec le Windows, à partir de Windows XP. Alors, il n'y a pas de limite technique que l'on peut atteindre en pratique. Il y a aussi le XFAT, il est réservé pour les clés USB. Alors, pour le système Linux, on trouve l'extent 32. Alors, la taille maximale d'un fichier individuel peut être 6 Go à 2 Teraoctets. La taille globale, c'est de 2 Tera jusqu'à 32 Teraoctets. L'extent 3, c'est 16 à 2 Teraoctets. Le global, c'est 2 Teraoctets à 32 Teraoctets. L'extent 4, il peut même atteindre 16 gigaoctets jusqu'à 16 teraoctets. Donc un répertoire peut contenir le maximum, c'est 64 000 sous répertoire. Il y a aussi pour le Macintosh, on trouve la PFS. Alors, on va résumer tout ça dans un petit peu. Le système d'exploitation à l'ODOS FAT16. C'est un ancien système, c'est Disk Operating System. Windows XP, c'est le NTFS. Windows 98, c'est FAT32. 95, c'est le FAT16. FAT32 pour les versions OSR2. Windows NT, NTFS. OS/2, c'est le HPFS. Et Linux, c'est le Linux, on trouve le X32, le X3 et le X34. Maintenant pour le partition, c'est-à-dire partitionner un disque dur, c'est le subdiviser en plusieurs parties. C'est-à-dire pour préparer un disque dur, une installation, un système d'exploitation, c'est préférable de le subdiviser en plusieurs partitions. Une partition qui va contenir le système d'exploitation, une deuxième qui va contenir par exemple le dossier, une troisième qui va contenir d'autres types d'informations. Alors, on trouve trois sortes de partitions, partition principale. La partition étendue et la partition pour le lecteur logique. Alors, la partition principale, c'est elle qui peut contenir un système d'exploitation, c'est le C2. Partition étendue, on trouve le D, le E, le F. Et par la suite, on trouve des sur des lecteurs de type logique, c'est le DEF. Alors, voyons voir à quoi pourrait ressembler un système comportant plusieurs systèmes d'exploitation. Ici, on trouve partition active, le FAT, qui contient le DOS et le Windows 95, le NTFS Windows NT, le HPFS qui va contenir le Mac OS sur 2, l'X32 et le Linux Swap.
On entre plusieurs systèmes, système Microsoft, système open source comme par exemple Linux, et le système le Macintosh. Alors pour le système DOS, puisqu'on parle du système de Windows 9 X, seulement la partition principale est bootable. Donc on appelle partitionnement le processus qui constitue à écrire les secteurs qui constitueront la table de partition. Alors le MPR Master Boot Record, le secteur de démarrage appelé Master Boot Record et MPR en anglais, est le premier secteur d'un disque dur, c'est-à-dire un cylindre, ou bien haute tête, avec tête bien sûr 0, ou bien pardon 1. Il contient la table de partitionnement principale en anglais. Okay? Alors, c'était qui vous permet aussi de lancer ou bien de démarrer ou bien de votre système d'exploitation. Alors, concernant la tolérance de panne, on trouve plusieurs vocabulaires. On parle ici de RAID ou bien de tolérance de panne. Alors, le RAID, c'est à l'origine bien sûr de l'acronyme RAID, a été défini en 1987 par l'université de Berkeley dans un article nommé As for Redundant Array for Inexpensive Disk RAID. Alors, si on prend par exemple les plusieurs versions, le RAID 0, alors à chaque fois que vous enregistrez un fichier, ce fichier sera réparti entre les disques durs. Une partie sera enregistrée dans le premier disque dur et deuxième dans le deuxième disque dur. On trouve le RAID 1. Le RAID 1, tout simplement, je trouve deux disques durs, mais on parle bien sûr de mirroring. Alors, mirroring, c'est-à-dire à chaque fois que je vais enregistrer le fichier sur le disque numéro 1, une copie sera envoyée vers le disque numéro 2. Alors, le risque, s'il y a une perte du premier disque dur, vous trouvez le deuxième disque dur. C'est pas le même cas que le RAID 0. RAID 5, alors le RAID 5 se conçoit sur au minimum de 3 disques. C'est-à-dire, si on dépasse les deux disques durs, on est en train de sur de RAID 5. Alors, ce système est le système RAID le plus utilisé car il contribue à, ou bien il combine à l'utilisation simultanée des disques durs. Alors, profitant donc de la performance améliorée en lecture et écriture et d'une tolérance aux pannes, ce système de parité permet de parvenir la panne d'un disque dur qui est présente s'il y a bien sûr des problèmes. Dans ce cas, il y a l'équiparation des données. La capacité totale de ce type de LED est égale au total moins de la capacité d'un disque dur. Il y a aussi le LED 6. Alors, le mécanisme de LED 6, le LED 6 est quant à lui au minimum 4 disques durs, c'est-à-dire si on dépasse les 3 disques durs, ici on parle de RAID 6. On déploie toujours la notion de parité. Par exemple, le fait d'enregistrer un fichier, ce fichier sera subdivisé sur plusieurs disques durs et entre ces 6 disques durs, on trouve, oui, il y a une partie qui sera réservée pour la parité. S'il y a une paire de données dans n'importe quel disque dur, il sera récupéré par la parité qui se trouve dans le 4e ou bien dans le 5e disque dur. Alors, le RAID 5 plus le Hot Spare. Alors, un grand nombre de types LED peuvent supporter un disque dur de Hot Spare. Ce principe désigne le fait d'un disque dur de l'ensemble qui est utilisé et reste en attente. Lorsque l'un des disques durs utilisé de l'ensemble sera défaillant, tombera bien sûr en panne, le volume RAID se reconstituera automatiquement et intégralement sur le disque en attente. Ce disque n'est donc destiné à atteindre utilisé qu'en cas de problème sur l'un des disques de l'ensemble. Alors, je peux même faire la combinaison des RAID, par exemple le RAID 1 plus le RAID 0 qui va donner le RAID 10, ou bien le RAID 5 plus le RAID 0 qui va donner le RAID 50. Il y a la dernière tolérance de panne, il est nommé bien sûr le GBOD, c'est-à-dire Just un paquet de disques, est un simple ensemble de disques, alors servant d'unité pour le NAS. Un ensemble GBOD
est composée d'un châssis de disque pouvant être de différentes capacités reliées à ONAS par un connecteur SAS, ajouter une extension GPOD et un procédé simple à réaliser et intéressant sur le plan économique car il va permettre d'accroître la capacité de votre NAS. Une extension NAS n'a pas de carte contrôleur car le NAS auquel il est connecté qui le pilote. À bientôt.